Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure à ce 76e congrès des pharmaciens à Deauville. Avant de commencer le grand débat tant attendu entre Thomas Fatom et Philippe Bessé, j'ai quelques explications et quelques rappels techniques à vous donner. Alors, déjà, vous le savez, notre congrès est interactif. Vous pouvez poser des questions par l'intermédiaire de votre téléphone portable. Deux façons soit vous scannez, ça va s'afficher derrière moi. Non. Oui. Donc soit vous scannez le QR code qui vient de s'afficher, soit vous saisissez dans votre navigateur l'adresse, je vous incite éventuellement à prendre une photo. Vous choisissez après l'option chat, puis vous tapez sur le plus et vous saisissez vos questions. Attention, des questions courtes. Les questions de quatre lignes, on ne pourra absolument pas les diffuser. Si jamais il y a une question qui est vous validez par la flèche. Si jamais il y a des questions que vous trouvez pertinentes, vous pouvez également les liker. Après ces petits rappels techniques, vous le savez, chaque année, nous vous proposons une rétrospective des temps forts qui ont ponctué l'année écoulée depuis le dernier congrès. Et vous allez le voir, cette année, les occasions d'être optimistes ont été rares. Économie en dégradation, ras bol général des confrères dans la gestion des pénuries et du manque de personnel. Au retard dans les négociations économiques, cela a abouti à la mobilisation historique du 30 mai. Mais je ne vous en dis pas plus, regardez. Depuis le congrès de Montpellier marqué par la présence de François Braun, alors ministre de la Santé, les occasions d'être optimiste sont plutôt rares. Durant l'été 2023, de graves émeutes éclatent et de nombreuses officines sont vandalisées sur tout le territoire. Un nouveau coup dur pour le réseau qui pâtit déjà d'un manque criant de personnel et d'une économie en dégradation. Le 9 août, les textes relatifs à l'extension des compétences vaccinales des pharmaciens sont publiés. Nous pouvons désormais prescrire et administrer l'ensemble des vaccins du calendrier en vigueur aux personnes âgées de 11 ans et plus, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées. Fin août, la Première ministre annonce que le dépistage suivi de la délivrance éventuelle d'un antibiotique pour les angines bactériennes et les cystites ne sera plus soumise à l'appartenance à une structure d'exercice coordonnée. Si la rémunération de cette nouvelle mission devra évidemment être débattue, la Fédération réaffirme surtout, dès la rentrée, l'absolue nécessité de revaloriser l'ensemble des actes. Et avant tout, celle de notre cœur de métier, la dispensation. Mais les signaux envoyés par l'exécutif laissent craindre le pire. L'abaissement du plafonnement des remises génériques de 40 à 20 est ainsi évoqué dans un rapport remis à la Première ministre. Une mesure qui entraînerait une perte de 650 millions d'euros pour le réseau soit 10 000 équivalents temps plein. Le contexte permanent de pénurie attise lassitude et découragement chez les consoeurs et confrères. D'autant que le PLFSS 2024 adoube nos nouvelles missions, mais ne tient compte ni de l'inflation, ni de l'ensemble des difficultés qui fragilisent la trésorerie de nos officines. Alors que la FSPF chiffre à 1 milliard l'enveloppe nécessaire à la remise à flot du réseau, l'ouverture de la négociation du volet économique de la Convention 2022 est sans cesse repoussée. Pour marquer leur exaspération, les étudiants toujours en attente d'une réforme du troisième cycle et l'ensemble de la profession se mobilisent. La journée d'action, organisée le 21 novembre dans toutes les villes universitaires de France, est un franc succès. De même que les pétitions lancées en région qui montrent l'inquiétude des usagers de santé devant la désertification pharmaceutique et les pénuries médicaments. Les résultats de l'enquête sur les besoins en personnel lancée par la fédération montrent également l'inquiétude des pharmaciens. Un sur deux est en effet toujours en recherche d'un adjoint ou d'un préparateur. Malgré un léger nu après la période intense de gestion de la pandémie, la situation reste tendue. À la mi-décembre, enfin les choses bougent. Successeur de François Braun, Aurélien Rousseau fait parvenir sa lettre de cadrage au directeur de l'assurance maladie juste avant de démissionner. Le 19 décembre, la première réunion de cadrage entre la CNAM et les syndicats laisse apparaître des différences de calcul importantes sur l'état économique des officines. À de Ségur, la valse des ministres génère une instabilité qui retarde la résolution de dossiers jugés prioritaires par la fédération. Au lendemain de la nomination de Catherine Vautrin le 11 janvier à la tête d'un super ministère recouvrant santé et travail, la FSPF annonce une année de mobilisation et de combat. Tandis que les industriels fustigent eux aussi la dispensation à l'unité inscrite dans la loi de santé 2024, la dérégulation de la vente en ligne des médicaments refait surface dans un discours du Premier ministre. Associée à l'ouverture du capital des officines sur laquelle plancherait Bercy, elle constitue une ligne rouge vif pour le syndicat. D'autant que la déstabilisation du réseau se manifeste déjà par la recrudescence insupportable de la vente des pharmacies pour l'euro symbolique. Le 25 mars, les amphis de l'officine mettent en avant le modèle coopératif pour renforcer l'indépendance de la profession et lutter contre la menace croissante de la financiarisation. À la mi-avril, la direction générale des entreprises assure cependant à la fédération de sa volonté de ne pas remettre en question les piliers de l'officine. Dans le même temps, une proposition de loi pour préserver l'accès aux pharmacies rurales est adoptée par le Sénat, contre l'avis du gouvernement et contre l'avis des pharmaciens. Avec pour conséquence un énième report de la publication du décret sur les territoires fragiles, malgré l'urgence de la situation. Et après quatre mois de négociations, la CNAM continue de jouer la montre en repoussant toujours le thème crucial de la revalorisation des honoraires. 2000 pharmacies fermées en 10 ans des ruptures de médicaments qui se multiplient. Le 30 mai, les pharmaciens étaient dans la rue pour changer de politique. Hier, notre Assemblée générale s'est prononcée sur le texte de l'avenant à la Convention nationale pharmaceutique. Un début de solution Alors, nous allons maintenant aborder le thème sensible du Congrès, celui de l'avenant conventionnel. Quel résultat En ces temps d'ardentes négociations économiques, dont l'objectif est de préserver ce réseau officinal dont nous sommes tous fiers, ce réseau qui permet à toute la population, même la plus isolée, d'avoir à disposition un professionnel de santé pour la délivrance de médicaments et des conseils de proximité de qualité, je remercie avec sincérité Monsieur Fatom d'être présent. Je le remercie d'avoir eu la volonté de débattre devant les pharmaciens ici présents dans la salle et de montrer que le dialogue entre la CNAM et la FSPF est toujours possible. J'invite à monter sur scène pour animer cette table ronde Benoît Tellier, rédacteur en chef du Pharmacien de France, Thomas Fatom, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et Philippe Bessé, président de la FSPF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première table ronde du Congrès national des pharmaciens, débat rituel entre le directeur général de l'assurance maladie et le président de la FSPF. Débat qui, cette année, prend une dimension particulière en raison de la décision prise hier concernant l'avenant économique à la Convention nationale. Bonjour, messieurs. Après six mois de réunion entre les partenaires conventionnels, l'heure est maintenant au verdict. L'Assemblée générale de la, FSPS, de la FSPF s'est réunie hier soir afin de statuer sur la dernière version de l'avenant euh, et de décider ou non de le ratifier. Alors on le sait désormais, la réponse a été positive. Philippe Besset, sans trop rentrer dans les détails euh, du texte que nous aborderons plus tard, quels sont les éléments principaux qui ont motivé, qui ont motivé ce vote et dans quel état d'esprit êtes-vous euh, au lendemain de cette promesse de signature alors, déjà, un état d'esprit de, de fierté devant euh, le processus démocratique qui a été euh, mis en place hier et suivi euh, à la lettre par euh, les instances de la Fédération. On a été près de 700 confrères de tous les, de tous les bureaux de syndicats départementaux à euh, écouter en même temps ce que le Bureau national a présenté comme étant le résultat de la négociation conventionnelle. Les bureaux se sont, euh, ont tous voté. Dans chaque département, pour donner mandat à leur président qui ensuite a exprimé un vote dans l'Assemblée générale pour ou contre la négociation. Et ça, cet esprit de démocratie interne, il est représentatif, il est à, vraiment à préserver. On ne fait pas de la politique, on ne fait pas de la politique professionnelle sur les réseaux sociaux, on ne fait pas de la politique professionnelle avec, en criant plus fort l'un que l'autre. On examine les choses dans l'intérêt des professionnels et on décide. Le résultat euh, est euh, positif pour, pour, pour l'avenant, avec une très forte majorité des, des départements. Il est vrai, euh, 82 des, des, des départements, des mandats des départements ont donc ont, ont dit oui. Mais à l'intérieur de chaque département, les votes étaient parfois serrés. On a des départements qui ont dit à leur président, à 51%, à 52%, on est d'accord pour que tu votes le texte. Donc on ne peut pas dire que la majorité est de cette, de cette nature. Donc pourquoi on a fait ça et quel, quel est notre état d'esprit C'est assez simple en fait. Euh, Est-ce que cet avenant économique est bon pour les professionnels Est-ce qu'il est bon pour les patients Est-ce qu'il est bon pour l'ensemble du système Clairement oui. Avec l'avenant, sans l'avenant avec l'avenant sans l'avenant. Est-ce que euh, cet avenant euh, économique est la fin de l'histoire Clairement non. Euh, Est-ce que il freine ou il accélère la suite de l'histoire De notre point de vue, il l'accélère. Ça permet d'aller de l'avant, ça permet d'ouvrir des portes, ça permet de négocier mieux dans euh, les temps à venir. Ça ouvre également une, une porte sur le, le combat à venir qui est le projet de loi de finances et de sécurité sociale pour 2025. De façon assez simple, de façon assez claire, la mobilisation des pharmaciens du 30 mai visait à alerter l'opinion, le gouvernement, l'ensemble des décideurs sur deux euh, thèmes de fragilité importantes les fermetures d'officines et donc les risques sur l'accès aux médicaments. Dans certains territoires en France, et les ruptures de médicaments, la désindustrialisation de notre pays en médicaments et l'attention qu'il qu faut faire sur le prix des produits, notamment les produits des pathologies les plus fréquentes rencontrées dans notre pays, parce que actuellement nous mettons des budgets très importants sur la recherche sur des pathologies graves, lourdes, mais rares. Euh, sur, sur, des, sur, sur, sur les médicaments. Donc ça, euh, cet, cet accès va, doit être euh, vu dans le, les, les temps à venir. Nous avons, euh, grâce à cette mobilisation, euh, obtenu deux choses majeures. Et chers confrères, croyez-le, c'est la mobilisation qui a permis de l'obtenir. La première, c'est une volonté maintenant du gouvernement de ne pas... Euh, casser le modèle français qui vise à l'accès aux médicaments partout, à l'indépendance du pharmacien, à euh, une dispensation de, de sécurité de qualité, c'est les piliers. Et deuxièmement, à permettre, ce qui a débloqué la, la négociation conventionnelle, l'accord gagnant-gagnant autour du développement des biosimilaires et des hybrides. Parce qu'en fait, si on veut euh, arriver à la fois à redonner, euh, du souffle économique à la profession de pharmacien tout en garantissant euh, que l'équilibre des comptes sociaux va être préservé, eh bien, il faut, comme on l'a fait pour le générique, qu'on s'engage maintenant à substituer les biosimilaires et les hybrides avec des conditions euh, financières qui, soient, euh, qui permettent au réseau d'évoluer. Donc ça, euh, c'est game changing pour la dernière semaine de négociation. Je l'ai dit hier, et je vais terminer sur ça. Cette négociation conventionnelle, elle a été un petit peu comme une on est, on est à, la, à la veille des Jeux Olympiques, euh, un peu comme une course de vitesse de cyclisme sur piste, du sur place pendant euh, à peu près six mois, et euh, une accélération vertigineuse dans la dernière semaine. Voilà. Donc on en est et, et en fait, euh, sans trahir de secret, Monsieur le Directeur, on était en train de négocier encore jeudi matin. Sur, sur les derniers paramètres. Donc, c'est vraiment sur la dernière semaine que se change le débat. Et donc, euh, c'est aujourd'hui euh, le temps euh, de passer au euh, combat d'après et de lancer la mobilisation pour euh, le projet de loi de finances et de sécurité sociale avec des armes améliorées grâce à l'avenant. Mais le combat va continuer pour la, pour la FSPF et pour les pharmaciens dans les temps à venir. D'accord. Thomas Fatome, quels étaient les objectifs de l'assurance maladie au, au début de cette négociation Et même question que pour Philippe Besset. Dans quel état d'esprit êtes-vous au lendemain de cette signature Bonjour à toutes et à tous d'abord. Merci, euh, merci de votre invitation, merci de vos, vos mots d'accueil. Euh, évidemment, toujours euh, pour moi, euh, important de, de dialoguer avec le, le, le président de la fédération et, et avec l'ensemble des, des pharmaciens qui sont présents aujourd'hui. Euh, les objectifs, c'était quelque part d'abord tenir un engagement qu'on avait pris dans la convention signée en 2022. On était dans une période encore très particulière, encore pas complètement sortie du Covid. Et on avait convenu avec les signataires que si on voulait donner de la visibilité économique, notamment aux pharmaciens, c'était compliqué de le faire au printemps 22. Il fallait se donner rendez-vous au deuxième semestre 23. Donc voilà. Tenir cet engagement. Le calendrier a peut-être été un peu décalé par rapport à ce qu'on avait évoqué. Euh, et au fond, euh, je crois, euh, essayer de répondre à un certain nombre d'objectifs. Euh, D'abord, ceux qui ont été, avaient été fixés par le ministre Aurélien Rousseau. Euh, et dans la continuité aussi, de, je crois, de cette convention, euh, donner cette visibilité pluriannuelle euh, apporter des réponses. Euh, aux inquiétudes sur le maillage territorial' très marqué par le film qu'on a vu et pas surpris parce qu'on a beaucoup échangé avec avec vous avec les pharmaciens ces derniers mois sur euh, l'inquiétude sur sur notamment les fermetures et là est ce que le réseau officinal est capable euh, voilà d'absorber l'évolution évolutions économiques euh, approfondir euh, les nouvelles missions autour de la prévention euh, Philippe Bessé l'évoquait tout à l'heure, bien sûr, aborder les sujets autour des biosimilaires et des, et des hybrides. Et puis euh, d'autres thématiques qui sont très importantes pour nous, hein, la juste délivrance, la lutte contre la fraude, les transformations écologiques. Donc un ensemble assez important d'objectifs sur, sur cet avenant. Euh, et, 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 et dans un contexte financier, je, je parlais d'inquiétude. Euh, bien perçu. Hein, ben, soyez convaincus que l'assurance maladie, elle, elle, en tout cas, elle essaye d'être à l'écoute des pharmaciens et cette inquiétude, elle a été euh, identifiée, bien sûr, euh, avec le mouvement que, que, qui, euh, qui a été évoqué tout à l'heure, mais même au-delà. Euh, mais le souhait de pouvoir apporter euh, apporter des, des réponses. Euh, mon état d'esprit aujourd'hui, honnêtement, il est il est, il est, il est euh, tourner vers la satisfaction d'avoir trouvé un, un, un accord. C'est vrai que la dernière ligne droite a été particulièrement intense. Euh, bon, c'est un peu peut-être le, le propre des négociations que d'aboutir de, que de, que dans, dans les dernières lignes droites. On en parlera peut-être à ce qu'on peut faire évoluer le, le processus là-dessus. On est ouvert. Euh, je crois que dans un contexte financier difficile, hein, je, ce que je voulais dire. Euh, il faut bien qu'on se le redise aussi, c'est important que là aussi on partage les éléments. 11 milliards d'euros de déficit de l'assurance maladie, des perspectives 2024 qui sont mauvaises pour le déficit de l'assurance maladie, des, des perspectives pluriannuelles qui sont complexes. Euh, ça fait partie du décor aussi. Et le fait que l'assurance maladie ait souhaité investir avec les pharmaciens accompagnés, donner de la visibilité, y compris économique, je crois que c'était important. C'est un choix qui n'était pas si évident que ça. Euh, on l'a fait. Euh, et euh, moi, je me félicite qu'on ait abouti euh, à, à cet accord. Je crois, et là aussi, je, 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 je me sens assez en phase avec ce que disait Philippe Bessé, euh, un accord conventionnel, un amendement une convention, c'est toujours un compromis. Si, si jamais l'un, entre guillemets, a écrasé l'autre, c'est qu'il y a un problème. Et, et généralement, l'autre ne signe pas. Donc euh, nous, on, on vit ce dialogue social comme la recherche d'un point de convergence. Je pense que, est-ce que la situation était meilleure euh, sans avenant, la réponse est non. Pour l'assurance maladie aussi, pas seulement pour le réseau final, parce que derrière cet avenant, on y reviendra certainement, il y a euh, des évolutions très positives sur la prévention, sur la transition écologique, sur la lutte contre la fraude, sur les biosimilaires, on y reviendra. Donc cet avenant pour l'assurance maladie, c'est un plus aussi. Et puis ça donne, cette, ça, donne ça essaye en tout cas de donner cette visibilité aux pharmaciens. Donc euh, voilà, de notre côté, on est satisfait. C'est aussi à chaque fois euh, l'aboutissement d'un processus, mais c'est aussi le démarrage. Euh, euh, voilà, d'un nouveau cadre, d'un nouveau cycle. On a plein de choses à faire dans cet avenant. On, a, on y reviendra. L'aide aux pharmacies en difficulté dans les zones fragiles. On a, on a plein de dispositifs très importants qu'il faut qu'on construise. On a posé des briques, des principes. Il faut qu'on fasse vivre cet avenant. Et donc, on a beaucoup de travail dans les, dans les prochaines semaines. Mais encore une fois, voilà, satisfaction d'avoir abouti. Chacun a pris ses responsabilités. Et là aussi, je, je rejoins. Euh, euh, ce qui a été dit, euh, la négociation, elle se fait entre partenaires conventionnels, chacun fait, prend ses responsabilités, il y a de la communication, il y a des réseaux sociaux, ça existe, on est en 2024, on vit dans cet environnement-là, mais euh, le fait qu'on arrive euh, à aboutir est pour l'assurance maladie quelque chose de précieux. D'accord, merci. Alors, on va rentrer un petit peu maintenant dans le, dans le détail de cet avenant. Euh, Philippe Besset, vous avez toujours défendu le fait que l'extension des missions des pharmaciens allait dans le bon sens. Mais que le corps de votre métier, c'était la dispensation, et qu'il fallait, euh, qu fallait, la, la, qu fallait avant tout revaloriser ses actes. Alors, qu'en est-il avec cet avenant Que dit cet avenant euh, de ces Alors, revalorisations Effectivement, le, euh, le cœur du métier du pharmacien, c'est la dispensation du médicament. Et donc, c'est. Euh, c'est vraiment pour nous, et c'était le mandat que j'avais par, par mon Assemblée générale, par, par mes mandants, c'était vraiment ce dispositif qui, qui devait être au cœur de la discussion conventionnelle. Et euh, ce que nous voulions en premier, c'est d'avoir cette trajectoire pluriannuelle. Nous sommes des toutes petites entreprises, les pharmacies d'officine, et on a besoin d'un peu de visibilité, et nous avions besoin d'un engagement euh, contractuel sur 2-3 ans, donc jusqu'en 2027. 20, 20, 20, pour, que on, pour savoir jusqu'où on va. Et en réalité, euh, tout ne dépend pas de l'assurance maladie euh, dans la rémunération des pharmaciens sur le cœur de métier. On peut, en schématisant, définir trois enveloppes de financement. Une enveloppe de financement liée aux honoraires, qui dépend là de l'assurance maladie, qui peut, d'une part, prévoir le montant des honoraires et prévoir assez facilement même si ça demande quelques quelques euh, travaux d'experts, euh, la trajectoire, puisque on sait euh, la pyramide des âges va influer sur euh, le montant de l'honoraire à l'âge, euh, le, le nombre de médicaments spécifiques, on, on, on peut aussi euh, le juger. On peut juger de, de choses sur ce qui est les honoraires euh, qui représentent maintenant une part très importante de, euh, de l'enveloppe et donc nous voulions une rémunération, des, une revalorisation des honoraires euh, qui n'a jamais existé. Hein, la, voilà. Donc trajectoire, revalorisation des honoraires. Mais il y avait deux autres enveloppes, euh, une qui est la marge sur le médicament remboursable, il reste une marge sur le médicament remboursable, c'est un milliard et demi d'euros euh, et ça, ça dépend des décisions qui sont prises par les autorités de santé, par le ministère, en fait, au travers du CEPS, après l'exécution du vote des, du PLFSS chaque année. Et en fait, il est assez. Euh, il faut que vous compreniez qu'on peut augmenter les honoraires et éventuellement tout reprendre par des baisses de marge éventuelles. Et il y a une troisième enveloppe euh, qui euh, financière, qui est très importante aussi, qui est versée là hors la vue de l'assurance maladie, par euh, la négociation entre les pharmaciens d'officine et euh, leurs fournisseurs industriels, autour de remises qui sont encadrées légalement, déclarées au CEPS, qu'on suit, euh, de, et qui font partie de l'équilibre général. Et là, c'est 1,3 milliard de remises. Et de façon assez simple, par deux fois, il y a eu des, euh, des volontés de de, de, de financement du mouvement, enfin, de Bercy, on, on va dire des comptes sociaux euh, ou d'autres acteurs qui disent mais euh, cet argent est illégitimement pris par les pharmaciens euh, et donc il faut euh, le reprendre et ça a été dit dans la rétrospective, euh, ben, si on, ça peut aller jusqu'à la moitié des remises, 650 millions d'euros, c'était le, le projet qui était euh, qui, qui était sur la table, mais c'est juste injouable ça, c'est impossible parce que ça fait partie de la, de le, de, de, du financement des pharmaciens. Et donc, moi, je, je l'avais dit au directeur, euh, je crois, la première fois qu'on qu s'est vu, hein, je lui ai dit moi, tous les chiffres intermédiaires euh, ne m'intéressent peu. Ce qui m'intéresse, c'est le dernier. Je veux qu'il évolue. Il n'évolue pas depuis dix ans et je veux qu'il évolue parce qu'on n'y arrive plus. Donc, je veux une croissance sur le corps de métier, à la fois qui peut être sur la marge, qui peut être sur les honoraires, qui peut être sur les remises. Ce n'est pas grave. Ce que, ce que je veux, c'est qu'il y ait une perspective d'évolution. Et cette perspective d'évolution, pour la première fois, elle est là. On a, on voit quand on voit la courbe de l'observatoire de la rémunération des officines, et quand on regarde en arrière depuis 2012, et quand on regarde la, courbe, la, la pente de la courbe qui est dans l'avenant avec un engagement sur la prospective sur les années 2027, eh bien, le résultat est évident. Il n'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, il est évident. Donc, du coup, moi, j'ai le sentiment que cette partie-là, euh, qui était la partie essentielle euh, du contrat, euh, elle est euh, remplie. Pas dans mes espérances, pas autant que mes espérances, mais elle est remplie dans sa dynamique. Voilà. D'accord. Alors Thomas Fatome, sur cette, cette revalorisation des, des actes de dispensation, je voulais un peu connaître la, la, la position de la CNAM, et notamment savoir si elle a la même vision que les pharmaciens du métier. Je crois qu'on est, oui, qu est assez proche de cette vision-là, euh, qui part de euh, je dirais d'abord d'une vision, j'ai envie de dire, de, 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 de bon sens, euh, qui est que euh, euh, notre relation conventionnelle, elle est, elle est faite pour donner aux pharmaciens les capacités d'assumer leur mission en tant qu'acteur euh, de, de la dispensation de la délivrance du médicament. Et ça a l'air basique de le dire, mais on se le redit que c'est absolument prioritaire et que pour l'assurance maladie, pour l'accès aux soins, pour l'accès aux soins des assurés sociaux, c'est majeur d'avoir ce réseau qui répond à cette demande des, des, des patients. Euh, on se situe dans une perspective où on a progressivement depuis une dizaine d'années ou un peu plus d'une dizaine d'années fait évoluer la rémunération des pharmaciens conjointement avec la profession pour qui était uniquement historiquement assis sur la marche pour la faire progressivement euh, évoluer vers des honoraires. Euh, essayer de la, de la désensibiliser, comme on dit dans le jargon, euh, au prix et puis d'une certaine manière aussi peut être au volume. Et C'est vrai que Philippe Bessé l'a dit, euh, ces honoraires là n'avaient pas bougé. Et donc, euh, on a entendu la demande et euh, on s'est posé des questions. On a beaucoup discuté, hein, on s'est posé des questions. Le choix qu'on a, qu a, qu a fait quand on a proposé, c'est de ne pas toucher à la marge et, et de réévaluer les honoraires. Euh, le plus possible, ceux qui sont moins directement liés à du volume, donc honoraires à l'ordonnance, honoraires à l'âge. On en reparlera peut-être aussi, soutenir euh, l'activité des pharmaciens sur la garde. Parce on sait que c'est une activité importante, on sait que c'est une activité compliquée, qui prend du temps, qui, qui peut être pénible. Donc Il fallait aussi adresser ce signal-là et soutenir cette activité-là. Il y aura des travaux avec le ministère, peut-être pour faire évoluer le système, on sera partie prenante, mais au moins on donne un signal financier favorable. Et pourquoi je dis qu'on a réfléchi Parce que c'est vrai que, vous le savez, hein, ce n'est pas un mystère, on fait toujours, enfin, on fait toujours plein d'hypothèses, on regarde, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire évoluer les paramètres de la marche pour mettre plus d'argent sur l'honoraire, etc., etc. On n'a pas fait ça. Quelque part, en se disant aussi que la discussion qu'on doit avoir, c'est aussi dans l'avenant et c'est aussi dans les chantiers qu'on va approfondir. Euh, on ne change pas les paramètres de la marge. Elle, elle est de nature à soutenir financièrement le, le réseau. Euh, elle, elle, elle procure une rémunération qui peut être élevée quand les médicaments sont, sont, sont chers. Ça veut dire aussi qu'on compte sur le pharmacien pour euh, voilà, être un acteur. Euh, encore plus impliqué qu'aujourd'hui, je sais que vous l'êtes, c'est pas le sujet, c'est comment on peut vous accompagner aussi sur euh, la juste délivrance, la lutte contre la fraude, la lutte contre les trafics. Et de se dire, on ne bouge pas le cahier des charges financiers, mais allons plus loin ensemble, je dis bien ensemble, comment on peut accompagner la profession pour que quand on a des médicaments chers, quand on en a des médicaments qui sont susceptibles de faire l'objet de mes susceptibles de faire l'objet de trafic, comment on accompagne les pharmaciens pour que ce partenariat entre l'assurance maladie... Et les, 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 les pharmaciens euh, comment ce partenariat peut mieux répondre à ces sujets-là. Moi, j'en profite pour le dire, hein, je suis très préoccupé, très préoccupé par le trafic de médicaments. Bon, depuis que j'ai pris la responsabilité de l'assurance-maladie, j'ai assez nettement orienté les travaux de, du réseau sur la lutte contre la fraude. On a des résultats, en nette augmentation, mais on fait face aussi. À une fraude qui se déplace, qui va sur les réseaux sociaux, là aussi, qui va sur le cyber, les fausses ordonnances, les faux arrêts de travail, ça ne concerne évidemment pas que le médicament. Donc, c'est vraiment quelque chose qui euh, devient une, une priorité. Mais pour revenir, je dirais, à l'essentiel, euh, moi, je, je crois que on a cette programmation 2025, 2026, 2027, des évolutions des honoraires qui donnent cette visibilité-là. On a aussi trouvé les moyens, je crois, de soutenir financièrement de ne pas faire de 2024 complètement une année blanche les uns et les autres. Vous connaissez les règles du jeu sur ces fameuses règles des six mois, mais on a essayé de trouver des moyens aussi pour soutenir l'investissement des pharmaciens en 2024 sur un certain nombre de thématiques. Donc voilà, là encore une fois, euh, ça n'est pas neutre euh, que l'assurance maladie mette des financements supplémentaires. Ça peut paraître évident, ça ne l'est pas dans une période de déficit important. Moi je défends l'idée que il faut continuer à investir pour accompagner les transformations du système et pour aussi que ça produise des résultats euh, sur la soutenabilité euh, à terme de, de l'assurance maladie. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé, c'est comme ça que je crois qu'on a trouvé ce, ce point d'équilibre avec, euh, en tous les cas, avec la fédération. D'accord, merci. Alors au, au chapitre des revalorisations figurent notamment celles concernant les gardes, euh, les trodes en euh, les accompagnements ou encore la, la prescription de vaccins. Alors Philippe Besset, qu'avez-vous obtenu sur chacun de ces différents points Alors d'abord euh, je vais compléter ce qu'a ce qu dit le, di le directeur à l'instant. Effectivement, euh, le, le début de la discussion et le début des travaux étaient de nouveau sur de l'échange. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, le, la proposition était de dire est-ce qu'on refait un tour d'échange, c'est-à-dire de diminuer les paramètres de la marge pour, euh, pour euh, revaloriser les honoraires dans un, dans un deuxième temps. Pour nous, c'était clairement non. C'était clairement non. Euh, pas pour... Euh, en fait, on peut entendre ce, les, les arguments de l'assurance maladie, mais les pharmaciens sont lassés des changements qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'arrivent pas à suivre. Euh, ils, ils ne voulaient plus de réformes euh, systémiques, de réformes systémique, de, réforme de système. Voilà. Donc moi, je ne, je ne, je, 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 moi aussi, j'étais fatigué de faire des tours de France pour expliquer à tout le monde que certes, ils perdaient là, mais ils allaient gagner là. Euh, et que c'était mieux qu'ils gagnent là que ceux qui perdaient là. Euh, voilà. Donc, je souhaitais avoir un avenant dont l'intégralité des paramètres soit gagnant. Voilà. Donc, l'intégralité des paramètres, l'intégralité des mots, l'intégralité de ce qu'il y a dans cet avenant est positif. Il n'y a pas d'échange, et comme ça, c'est plus cool pour moi. Voilà. Les gens peuvent me dire, c'est pas assez, peut-être, mais tout le monde est gagnant avec cet avenant. 100% du réseau. Il n'y a pas de débat, et ça c'était important. Le, pour pour répondre plus plus spécifiquement, effectivement, la revalorisation de la permanence de, 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 la, de, de la permanence des soins, de la nuit, de la garde de nuit, euh, est, était un, un élément clé déterminant. Là aussi, on a dû terminer jeudi matin sur le dernier euro. Euh, la, la négociation n'était pas facile, mais euh, pour nous, il fallait valoriser la nuit profonde. Donc on a une, un honoraire qui désormais par euh, dispensation entre minuit et 6 heures du matin, qui est passé à 20 euros de majoration, par, et ça c'était important pour nous, des majorations également sur, sur la l'astreinte, sur les autres paramètres des, 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 de majoration, et aussi, le directeur l'a évoqué, euh, un, euh, chère Karine, c'est un message pour, pour l'ordre aussi euh, là-dessus, des travaux qui sont à, euh, à mener avec le ministère de la Santé pour réformer euh, la permanence des soins pharmaceutiques. Euh, de façon très claire, euh, la fédération souhaite que les pharmaciens ne soient dérangés que pour des médicaments remboursables par l'assurance maladie pendant la permanence des soins et plus. Pour aucun autre cas. Nous avons nous avons une des majorations d'honoraires qui sont limitées à ces cas-là. La permanence des soins doit être limitée à ces cas-là. Et donc nous demandons une modification de la législation et de la réglementation pour que ceci soit appliqué. Et ça c'est euh, c'est euh, ce euh, je traduis. Les paroles du directeur euh, tout à l'heure, c'est ça que nous allons porter auprès du ministère de la Santé sur euh, les trodes et sur euh, c'est quoi l'autre déjà On les accompagnements et puis le, le, la prescription de vaccin. Oui, euh, sur les sur les trodes, euh, évidemment, 6 euros c'était euh, c'était trop bas euh, dans, dans la convention de 2022 et donc on fait passer le trode à, à, à 10 euros. Donc, c'est une forte augmentation de, ce, de, ce, de cet acte de trod, qu'il soit sur les ordonnances conditionnelles, enfin tous les cas de, 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 où, les, où les pharmaciens font des trodes. Euh, c'est un peu ce que je vous dis. Si on signe pas, ben, le trod il reste à 6 euros. Si on signe, il passe à 10. Est-ce que vous êtes satisfait de 10 Je ne sais pas. Mais vous conviendrez avec moi que c'est mieux que 6. Donc, le, le, le sujet, c'est ça. Voilà. Le, le, le sujet, c'est bien ça. Le, la prescription de vaccins, que n'ai-je pas entendu quand l'USPO et la FSPF ont signé un acte de prescription de vaccin qui était présenté par euh, les confrères sur les réseaux sociaux comme un acte à 2,10 euros C'est ça que j'ai entendu. J'ai entendu il y, un, il y a un acte de, de, pres, de prescription de vaccin comme l'acte d'administration était à 7,50 et que c'était le même acte. D'abord, ce n'était pas vraiment une prescription. Puisque c'était mélangé avec l'acte d'administration et, euh, et il était à 2,10 euros. Là, nous obtenons dans cet avenant un véritable acte de prescription du vaccin et qui est valorisé 7,50 euros. Est-ce que c'est assez 7,50 euros Je ne sais pas, mais c'est mieux que 2,10 euros. Voilà. voilà, donc c'est un peu l'esprit de, 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 de cet avenant. C'est un avenant en, qui, qui marche qui est, qui est, qui est, qui est avancé, mais tous les actes qui sont dedans que vous allez retrouver, que vous allez analyser, sont des choses positives pour le pharmacien et pour les patients. D'accord. Thomas Fatome, un, un mot également concernant ces, ces revalorisations et peut-être un dispositif que vous avez déjà évoqué euh, qui vous tient à cœur à, à l'Assurance Maladie, c'est la lutte contre la fraude. Oui, euh, je crois que les différents sujets euh, sont dans la continuité de, de ce qu'on avait commencer à faire avec la profession, ce qu'on avait mis dans la convention 2022, les propositions que, que l'assurance maladie avait fait, hein, je voudrais leur dire aussi euh, cette histoire de présence de, de l'engin et de l'assistite, la, de euh, l'évolution des compétences des pharmaciens, c'est l'assurance maladie qui l'a proposé dans son rapport sur les produits, y compris dans un contexte qui n'était pas facile avec les médecins puisqu'on euh, voilà, on n'avait pas encore recommencé les négos, on a dit mais le parcours de soins, là il faut le simplifier. Les pharmaciens peuvent tout à fait délivrer l'antibiotique quand c'est pertinent. Donc, on va avancer. C'est des charge des produits, loi de financement pour 2024, négociation, tarifs, tarifs substantiellement améliorés, comme le disait le président Messé. À chaque fois, c'est toujours pareil. On parle de petits montants, donc on a l'impression que c'est des, des petites augmentations. Mais quand on passe de 6 à 10 euros, ça fait plus de 50% d'augmentation. Et donc, là aussi, investissement assumé par l'assurance maladie, parce qu'on pense que c'est pertinent. Euh, et que ça va faciliter la vie des patients et qu'on euh, va participer à, la, à leur prise en charge, accessoirement aussi à la lutte contre l'antibiorésistance parce qu'on ne fait pas assez de trop dans notre pays et, et, et donc euh, c'est positif même chose pour euh, l'accompagnement sur les patients euh, sous traitement antalgique, même chose bien sûr sur, sur la vaccination ce qui me permet de dire là aussi je le disais, c'est le début de cette avenance c'est le début de, 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 de travaux ou la relance ou la poursuite ou l'accélération il euh, n'a échappé à personne qu'on a signé la convention médicale euh, mardi dans cette convention, il y a des choses très intéressantes, très importantes sur euh, la qualité et la pertinence des prescriptions, notamment des produits de santé. Il y a beaucoup de sujets qui vont nécessiter qu'on se parle avec les pharmaciens et avec les médecins pour opérationnaliser tout ça, pardon de, de ce mot un peu techno. Euh, voilà, je prends un seul exemple, la polymédication. Euh, on a inscrit euh, avec les médecins le fait que... La consultation de déprescription qu'on qu a mis en place, elle doit s'articuler avec le bilan de médication. Ben ça, il faut qu'on y travaille avec les syndicats de pharmaciens, avec les syndicats de médecins, pour qu'on arrive à franchir euh, des progrès importants sur un sujet majeur de santé publique qui est l'hyperpolymédication ou la polymédication. Vous connaissez tous les chiffres, hein. ils sont quand même assez spectaculaires. Euh, et donc, il euh, y a de la mobilisation qui existe déjà. Le bilan de médication, ça existe déjà. La déprescription, c'est des choses qui peuvent exister. Comment on, on, on va s'appuyer sur, euh, voilà, le savoir-faire des pharmaciens, la relation avec les médecins, pour pouvoir rendre crédibles ces dispositifs. Donc ça, je, je le dis parce que, euh, voilà, on, 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 on s'en est parlé avec les syndicats. Euh, il ne faut pas qu'on construise des choses d'un côté ou de l'autre sans se dire ah bah oui il y a la consultation des prescriptions d'un côté chez les médecins, il y a la maîtrise médicale chez les médecins, puis on fait des choses avec les pharmaciens. Au bout d'un moment, il faut qu'on connecte. Évidemment, les exercices, c'est très important de le faire, et je le dis. Nous, on compte beaucoup là-dessus. Vous l'avez dit, la lutte contre la fraude, je l'ai dit, sujet de préoccupation. Donc, on fait des choses. Là aussi, on fait des choses simples. Et on ouvre des perspectives. Euh, le déploiement de l'outil qui s'appelle Azafo qui permet de recueillir les fausses ordonnances, qui existe déjà en région parisienne, qu'on déploie à France entière, c'est un outil qui doit progresser, qui doit s'améliorer dans l'ergonomie, dans l'utilisation. On doit construire une, une V2, comme on dit dans notre jargon, avec les pharmaciens. C'est des engagements qu'on a pris aussi. On doit trouver les moyens aussi de faire attention à vous protéger, que dès lors que vous êtes en situation de, euh, vis-à-vis des patients qui peuvent être difficiles, etc. Ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on va, on va travailler. Et puis, on a aussi. Inscrit dans l'avenant, l'idée, je pense qu'elle est importante. Là aussi, il faut qu'on la creuse, que euh, l'assurance maladie peut sans doute aider euh, les pharmaciens, les éditeurs de logiciels, à ce que les logiciels intègrent tout ce qu'on voit arriver aujourd'hui de plus en plus sur l'intelligence artificielle, sur la vérification des ordonnances. Voilà, que ces logiciels s'enrichissent. Pour là encore une fois, hein, il ne s'agit pas de prendre du temps. Pour pharmacien, il ne s'agit pas de déconnecter ce qu'on lui demande de son exercice au quotidien, il s'agit de, 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 de pouvoir accélérer le déploiement d'outils qui existent et qui vont nous aider pour repérer les fausses ordonnances, prévenir la fraude. Et donc, ça aussi, c'est un chantier qu'on veut travailler. On fait des choses dans le cadre du Ségur numérique. Avec les pharmaciens, avec les autres professions, est-ce que c'est dans le cas du Ségur Est-ce que c'est ailleurs J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il faut que ces outils se déploient. Et l'assurance m'a dit, elle peut être un facilitateur, un accompagnateur, peut-être un financier de cette affaire. En tout cas, euh, clairement, c'est aussi un enjeu stratégique euh, pour nous, et, et je crois aussi pour euh, le quotidien de, de l'exercice des pharmaciens. D'accord. Du coup, j'en profite pour rebondir sur, sur, sur ce, cette question de la lutte contre la fraude. Est-ce que ce process, ce, ce procès, cet Azafo, ce, ce, cette mise en place d'asafo n'est pas, en fait, euh, je pense que pour les pharmaciens, une étape transitoire en attendant la mise en place de l'ordonnance numérique qui, euh, qui devrait être normalement le, le, la clé pour lutter le plus efficacement contre les fraudes. Alors ce qu'on a voulu faire dans l'avenant, la, la lutte contre la fraude et la mise en place de, de ce dispositif était prévue dans la convention de 2022. Donc ce qu'on qu met dans l'avenant, c'est euh, l'idée euh, que nous allons travailler ensemble pour améliorer. Euh, le système, nous, le, le, le but c'est de l'intégrer au logiciel métier euh, à terme. Euh, de la même manière, le but c'est de développer l'intelligence artificielle, comme il a été dit, euh, pour que des choses automatiques viennent aider euh, le pharmacien dans, dans, dans sa pratique. Évidemment, l'ordonnance numérique est le graal. Évidemment, l'utilisation de l'ordonnance numérique est le graal, mais on en est encore loin en termes de déploiement. Euh, donc, euh, on estime, on, on, on espère euh, que. Mais quand on a quand on a signé la convention de 2022 en mettant en place Azafoux, donc euh, tous, hein, on a tous signé la même chose. Dans notre tête, en 2024, on avait basculé en ordonnance électronique. Franchement, on en est loin. Donc euh, le, 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 le sujet est donc reporté de, 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 de plusieurs années euh, là-dessus. Donc sur la lutte contre la fraude, euh, nous on, on, on a pris la main euh, qui, qui, qui nous est tendue pour dire il faut qu'on améliore les outils, il faut qu'on travaille ensemble au process. Je vous invite, euh, Monsieur le Directeur, il faut que quelqu'un de vos équipes vienne le 18 juin euh, à la fédération. Nous organisons le, donc en soirée, euh, chère Karine, l'ordre aussi est euh, le bienvenu le 18 juin au soir, euh, une conférence sur la sécurité dans les officines et sur les méthodes à mettre en place avec la préfecture de police. Donc c'est là, c'est autour d'experts de, de la préfecture de police qui viendront euh, sur ce sujet-là. Et nous devons effectivement mettre en place, parce que et, et on l'a mis dans la convention, c'est écrit. Hein, euh, les pharmaciens, les équipes de, de, des officines ne doivent pas être, être mises en danger physique euh, par euh, par leur action dans euh, la lutte contre la fraude. Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est la, la limite, moi que je fixe. Euh, le, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais pas mettre en danger physique les équipes, parce que c'est nous qui sommes au premier plan. Voilà. Donc c'est c'est le point. Je, 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 je reviens parce que j'ai oublié de, tout à l'heure de, de parler des accompagnements, donc j'en dis juste un mot. Il y a un dispositif majeur euh, qui n'est pas une idée des syndicats, qui est une idée de l'assurance maladie, euh, mais que nous avons pris, euh, euh, que nous avons pris vraiment euh, comme euh, une très bonne idée c'est d'utiliser les six derniers mois de 2024 comme un booster euh, sur les accompagnements. Et donc, euh, une prime pour tous les nouveaux actes des pharmaciens, est donné à partir du moment où vous les mettez en place et que vous en faites au moins un. Et en fait, l'idée d'en faire un, ça veut dire que vous mettez en place le dispositif et que donc après, vous pouvez continuer. C'est comme ça que c'est conçu. Et donc, pour le premier bilan de médication, une prime est donnée de 400 euros. Donc, ce n'est pas rien que, que, que cette, que cette idée-là. Et pareil pour l'ensemble des, des bilans. Et c'est à la fois quelque chose qui permet de rémunérer quelque chose dès 2024 pour ce que 2024 ne soit pas complètement une année blanche, et d'autre part de lancer la dynamique de, euh, de ces entretiens avec une rémunération conséquente pour la mise en place. D'accord, merci. Alors, Le, le gisement d'économie que constituent pour le système de santé les, les substitutions des, des biosimilaires et des hybrides se chiffre à plusieurs milliards d'euros. Euh, Philippe Besset, qu'est-ce que cet avenant euh, porte et apporte comme avancée pour les pharmaciens dans, dans ce domaine Sachant que le ministre délégué Frédéric Valtoux euh, vous a assuré ces dernières heures euh, qu'il accédait à l'une de vos revendications. C'est ce que je disais, c'est ce qui est game-changing entre la semaine dernière et cette semaine. C'est pour ça que l'attitude de la fédération a changé d'une semaine sur l'autre. On n'a on a visiblement pas eu le temps encore d'expliquer à tout le monde, euh, si, si, si j'en crois, si crois les, les messages, on, tout le monde n'a pas bien compris euh, ce qui avait radicalement changé et qui est le fruit de la mobilisation du 30 mai, c'est le sujet des hybrides et des biosimilaires. Euh, clairement, quand j'ai rencontré Frédéric Valtout mercredi après-midi, euh, et, on et Agnès Firmin-Lebaudot euh, l'avait dit euh, la semaine d'avant au Sénat dans, le même, dans les mêmes termes, euh, au sénateur, on, lui a dit, je, on, on a dit tous les deux, nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe dans ce pays sur le sujet des biosimilaires et des hybrides. Pourquoi on ne substitue pas les biosimilaires et les hybrides Pourquoi est-ce que ça ne marche pas Ça fait quand même... Cinq ans qu'on en parle. Donc, le sujet doit être euh, maintenant euh, derrière nous. La convention médicale change la donne parce que les médecins ont accepté, dans la convention médicale, par la signature, d'aller sur euh, l'interchangeabilité des biosimilaires et de collaborer avec euh, les pharmaciens. Les pharmaciens doivent avoir les mêmes outils que pour le générique. Les légalisation de marge des conditions commerciales possibles avec les, les les industriels et une substitution la plus large possible des et nous allons faire nous allons faire faire des économies à l'assurance maladie et nous serons rémunérés et il faut que l'état accepte de dire que et c'est ce qui est dit dans le dans le dans l'avenant hein, que ces remises font partie du modèle économique général de l'officier et ça c'est majeur c'est aussi une demande de nos groupements, accessoirement. Nous avons essayé, pendant toute la, pendant toute la négociation, d'être au plus près de l'ensemble des, des, des acteurs. Et nos groupements nous ont dit c'est ça qu'il nous faut, c'est vraiment ça qu'il nous faut. Si vous obtenez ça, ça va. Si vous n'obtenez pas ça, ça ne va pas. Bon. Est-ce que c'est dans le marbre C'est dans le marbre de la lettre du ministre et dans l'avenant conventionnel. C'est-à-dire que, à date, nous avons trouvé des alliés importants pour, cette, pour aller là-dedans. Mais qui est le décisionnaire Le décisionnaire, c'est le Parlement. Et donc, ça se fera dans le cadre du projet de loi de finances de crédit sociale de 2025. Donc, je ne sais pas si vous regardez un peu la presse de temps en temps, mais euh, le Parlement est un objet. Difficile à manier. Donc, le, le sujet est un sujet qui, pour nous, est un sujet de combat. La mobilisation de la profession sera nécessaire et euh, nous sommes complètement mobilisés pour aller au bout de cette, de cette aventure, puisque euh, c'est évidemment à ce moment-là que se passera les choses. Et je dois vous dire, et je l'ai dit hier, euh, et donc je vous le dis, monsieur le directeur, devant, devant vous, moi je, cet accord, pour moi, il est euh, ferme mais il est, doit être tenu par l'ensemble des partis. Nous, nous y engageons. Je ne me sentirai plus tenu si jamais le gouvernement ne va pas jusqu'au bout de sa volonté sur ce point. D'accord. Alors Thomas Fatome, l'assurance maladie est alignée sur la position des pharmaciens concernant ce thème de la substitution des biosimilaires. Concrètement, quels sont vos leviers d'action C'est un peu le paradoxe que je crois qu'évoquait Philippe Bessé, c'est qu'il euh, euh, y a une, une vraie convergence sur le fond entre l'assurance maladie et les pharmaciens. On considère qu'il faut déverrouiller un certain nombre d'éléments, euh, comme ceux qui existent pour le générique, pour créer les conditions économiques favorables au, au développement des biosimilaires et à un rôle accru des pharmaciens. Donc on, on, on est en phase. Euh, et, et, et du coup on l'a écrit dans l'avenant, la, dans on a écrit des choses sur, sur les marges et sur les remises. Euh, mais où je disais que c'est un paradoxe, c'est que ça n'est pas du champ conventionnel. Euh, et donc, c'est vrai que du coup, on a peut-être un certain nombre d'acteurs peuvent se dire mais alors finalement, que fait l'assurance maladie etc. Au passage, tout de même, néanmoins, même si ça n'est pas l'élément déterminant, c'est clair, sur la ROSP, on va un peu plus loin et on intègre les biosimilaires et les hybrides, mais j'assume assez clairement le fait que ça n'est pas le levier déterminant. Ça envoie un signal, là aussi, il faut en tenir compte, et ça montre que l'assurance maladie est en, est en faveur de ce développement. Mais ce qui est décisif, c'est la capacité donnée aux pharmaciens de substituer. Et là aussi, je ne veux pas me redonner le beau rôle, mais ceux qui ont réactivé cette affaire, qui, historiquement, est une affaire compliquée, qui est, les précédentes tentatives sous le contrôle du président Bessé doivent dater de 2014. Et puis, ça n'avait pas marché. On était revenu en arrière. Donc, la science m'a dit mais il faut réenclencher le truc. Donc, on a réenclenché à petite échelle. Et là, on a on a poussé aussi avec le Parlement pour que ça aille plus loin. La loi de financement 2024, et ça va bouger. Mais voilà, là, à la fin, c'est un sujet euh, voilà, D'arrêter de, de, de marge, pour dire les choses, donc de fixation réglementaire et puis d'équilibre économique entre les industriels et les, et les pharmaciens. Donc, Philippe Bessé le disait, euh, euh, l'avenant permet de montrer qu'il y a des alliés à cette, à cette évolution-là. Il y en a un autour de la salle, c'est l'assurance maladie. Le ministre, dans, dans son courrier, a été, a été, je crois, très clair également. Le rendez-vous, en effet, il est certainement la loi de financement. Euh, mais en tous les cas, euh, nous, on va euh, voilà, jouer notre rôle, expliquer. Euh, à notre gouvernance, euh, partager aussi avec les, les parlementaires le fait que si on veut que le biosimilaire décolle dans notre pays, euh, il faut que aligner tous les acteurs, entre guillemets, au bon sens du terme, euh, prescripteurs, pharmaciens, industriels, euh, et, et donc progresser euh, de façon très substantielle. Et c'est vrai que pour l'assurance maladie, pour le coup, là aussi, hein, c'est. Je ne dis pas que ce qui n'est pas dans l'accord est presque plus important que ce qui est dans l'accord, parce que l'accord, il est quand même encore une fois important, plus de 200 millions d'euros, etc., etc., Mais euh, on est absolument convaincu de la nécessité absolue. Si je parlais de déficit de l'assurance ce c'est pas un hasard qu'il faut que le biosimilaire accélère dans notre pays. C'est possible. Maintenant, toutes voilà, les, les pièces du puzzle, elles, elles sont en situation de s'assembler. Rendez-vous cet automne. Et nous, on va euh, la, assumer ce qu'on a écrit. Euh, même si ce n'est pas de la responsabilité des partenaires commerciaux, quand on écrit des choses, ben, on s'y tient aussi, donc on va expliquer, expliquer, expliquer. Et voilà, moi je suis confiant parce que euh, voilà, il y, y, y a un intérêt. Il faut que les planètes elles vont s'aligner. Et encore une fois, euh, c'est du gagnant-gagnant euh, pour, pour les pharmaciens et pour l'assurance maladie. D'accord, merci. Alors on, va, on va ouvrir maintenant un volet et hein, un sujet de préoccupation majeure pour la, la profession, mais aussi pour les patients. Euh, le risque de voir désormais apparaître des trous dans le mariage officinal, avec la disparition progressive des officines dans les territoires dits fragiles. Euh, Thomas Fatome, je, je m'adresse à vous. Quelles sont les mesures économiques prises dans cet avenant qui s'attaquent à cette problématique quand j'ai vu, vu quelques journalistes comme, comme, les, les, comme les négociateurs, l'assurance maladie, euh, euh, je ne sais plus c'était mercredi ou jeudi parce que les journées sont chargées en ce moment, mais euh, ils m'ont demandé quelle était la mesure la plus importante euh, de, cette, euh, de cette discussion. J'ai dit il y en a deux, ceux qu'on vient d'aborder, les biosimilaires, et puis l'aide euh, pour les pharmacies en, 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 en difficulté dans les territoires fragiles. Pourquoi euh, parce que je pense que euh, voilà, c'est un sujet majeur. Euh, euh, la, la, la fragilisation d'un certain nombre d'officines euh, dans des territoires dans lesquels euh, moins de médecins, moins de paramédicaux, moins de population et, et potentiellement des pharmacies fragilisées, c'est un vrai sujet pour nous, Assurance Maladie. On, a toujours, on peut avoir le sentiment que le, les sujets financiers sont pour nous une priorité. Le sujet fondamental, c'est pourquoi on existe c'est de protéger les assurés et de leur garantir un accès aux soins. Et si on n'a plus de pharmacie dans les territoires euh, concernés, eh bien, on sera en grande difficulté. Et donc, le fait que euh, on décide conjointement, au-delà des évolutions paramétriques qu'on a évoquées, qui sont quand même des choses qui donnent encore une fois de la visibilité, de se dire il y a des situations qui justifient une aide de l'assurance maladie qu'on va construire avec les, les, les pharmaciens. Là aussi, euh, pardon de le dire pour une troisième fois, on a posé les, des, des principes assez précis, mais on, on s'est dit qu'il faut qu'on prenne le temps de voir comment on gère l'aide. Ce sera des choses qu'on va qu'on va déployer puisque l'avenant sera signé. Euh, mais euh, voilà euh, de pouvoir consacrer des moyens financiers à accompagner de manière durable des pharmacies dont en fait, on a besoin pour l'accès aux soins. C'est simple, mais c'est nouveau. Et, euh, et au-delà de ça, on va euh, continuer à approfondir sûrement notre connaissance partagée de l'évolution de, des officines, de l'évolution territoriale. C'est quelque chose auquel le réseau de l'Assurance Maladie aussi est très attaché. Donc voilà, on va faire vivre. Il ne faut pas qu'il y ait des désert pharmaceutiques. pas qu'il y ait des pharmaceutiques. Et, et, et donc euh, l'objectif de cet avenant là-dessus aussi, il est, il est très important. Et, euh, et, euh, et moi, je suis heureux qu'on ait trouvé euh, voilà un cadre pour déployer ça. Il y a un décret. Qui va sortir dans les prochaines semaines, très certainement, sur euh, le, le zonage, comme on dit dans notre jargon, c'est quoi un territoire fragile. Et puis derrière, il y a une dynamique conventionnelle qui va se mettre en place pour euh, construire ce dispositif. Il faut qu'il qu entre en vigueur euh, euh, rapidement, même s'il y aura un peu de machinerie. Hein. Enfin, il faut qu'on construise avec la profession. Mais voilà, c est, c est, c est, ça n'est pas une disposition anecdotique. C'est une, une disposition importante euh, pour répondre à un problème important euh, de, de risque, de, de, de perte d'accès. Euh, aux, aux médicaments, l'accès à, à, à l'officine dans un certain nombre de territoires. Philippe Bessé, sur ce point, le, le, le déblocage d'aide, on va dire d'urgence, pour venir en aide à ces officines en difficulté était un, un point saillant de la discussion en interne pour, pour ah, mais ratifier si, cet ah, mais, mais Pour moi, c'était un des combats principaux. De façon, de façon simple, enfin. Bon, c'est peut-être c'est peut-être aussi parce que je suis issu d'un territoire euh, pas moi pas rural, c'est une petite ville, mais j'ai autour de, autour de moi et vraiment pas loin euh, des zones dont, dont, dont qui sont euh, frappées euh, par, euh, par cette, ces fragilités avec des populations qui se sentent abandonnées par la République. Enfin, faut, faut quand même revoir avant le, avant le, avant le Covid euh, les, la, la crise des gilets jaunes. Hein, on parle de ça. Hein. On, moi, je parle de ça. Et, euh, et je pense que euh, le, ce, ce mal-être, doit, on doit y répondre. Et si tous les autres ont, ont disparu, les pharmaciens ne disparaîtront pas. Euh, enfin, en tout cas, euh, sous ma garde. C'est non. Ça ne se passera pas. Le, donc le sujet était un, était un, sujet, euh, était un sujet majeur. Euh, quand j'ai vu le ministre mercredi encore, je lui ai dit Bon, moi j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin d'une lettre d'engagement sur les biosimilaires avant le vote de mon Assemblée générale et j'ai besoin que le décret du territoire fragile sorte. Et il m'a dit Vous aurez les deux demain. Et hier matin j'ai reçu la lettre d'engagement et hier soir j'ai reçu le projet de décret. Territoire fragile, qui définit le zonage, qui va permettre, euh, entre les, en lien entre les ARS et les CPL, on va essayer de, de trouver le moyen de faire travailler ensemble les ARS et l'assurance maladie. Ouais. Euh, et euh, et euh, et le, le donc je vous en parlerez cet après-midi, je crois oui, que vous avez on, euh, oui, en représentant d'ARS voilà. on, on en parlera cet après-midi. Mais donc on va essayer de, de mettre en place donc ce, ce zonage, de voir de quoi on parle. Nous, on a mis en place un observatoire du réseau officinal au, au, à l'assurance maladie auprès de, dans la Convention, pour, pour vérifier euh, ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là, eh une fois ces, ces officines identifiées, euh, un peu, on, on a construit l'idée avec le, le, le directeur de, de cabinet d'Aurigna de, Rousseau, qui est un grand directeur d'hôpital, hein, qui, qui est reparti maintenant à diriger les hôpitaux de Lyon. Raymond Lemoigne, et donc il me disait, mais en fait ce qu'on cherche à faire, c'est un peu comme le financement de l'hôpital public, c'est-à-dire qu'en fait les hôpitaux sont financés à l'activité par la T2A, mais il y a des hôpitaux de proximité qui n'ont pas une activité suffisante pour leur permettre de financer leur existence propre, et donc ils ont une enveloppe de financement qui est liée au fait que nous voulons qu'ils restent sur le territoire. Nous, pour garantir l'égalité des chances de populationnelle, eh bien nous voulons que, cette, que ces hôpitaux restent et donc nous leur donnons un mode de financement adéquat lié à leur présence sur le territoire. Et donc pour l'accès aux médicaments et pour toutes les autres missions, tous les autres actes des pharmaciens, c'est pareil. Et donc on, a, on aura désormais un zonage qui dit ici la pharmacie doit rester. Et donc, on va tout mettre en œuvre pour qu'elle reste. Le dispositif conventionnel en étant, mais il y a d'autres dispositifs. Il peut y avoir, l'ARS peut débloquer d'autres moyens. Et puis, on peut imaginer, euh, j'ai déjà discuté avec euh, des amis banquiers, qui imaginent des, des taux zéro pour l'acquisition de, de ces officines, un petit peu comme c'est comme pour l'acquisition à la propriété pour certains, dans certains cas. Euh, donc, on peut... À partir du moment où on a des zones et où on sait, là où on dit, là, dans ces zones-là, euh, on, euh, on veut garder la pharmacie, même si elle est à euh, un chiffre d'affaires euh, petit, moi, j'en je, je, ai marre, en fait, je vais vous le dire, j'en ai marre des euh, conférences des experts comptables qui m'expliquent que quand on est une petite officine, on ne peut pas exister et qu'il faut avoir une grosse officine. Donc je veux arriver à prouver qu'une petite officine peut être rentable, peut faire bien vivre son, son titulaire et que, et que c'est là, que c'est une, une autre voie et que le, le fait d'avoir de la proximité avec les gens, d'avoir une vie avec, avec sa population, c'est ça qui compte. Et donc, ça, il faut en même temps que la, la personne puisse gagner sa vie et avoir envie d'être là et, et d'exercer son métier. D'accord, merci. Alors à l'issue de la signature de la convention avec les, les médecins libéraux, euh, Frédéric Valtou a, a estimé que le dispositif conventionnel était, euh, je cite à bout de souffle, euh, dans la foulée, euh, l'Union nationale des professionnels de santé euh, ainsi que les libéraux de santé, dont vous êtes le président également, Philippe Besset, ont également fait ce constat, euh, notamment sur la durée des cycles, le pilotage du système ou encore les critères de représentativité. Euh, la FSPF appelle-t-elle elle aussi à une réforme du dispositif conventionnel et à quel niveau Clairement. Clairement. Je remercie, je souhaite le bonjour à Sébastien Guérard, donc qui est le président de l'Union nationale des professionnels de santé, qui est dans la, qui est dans la salle, qui nous en dira peut-être un mot cet après-midi, autour de la conférence sur les CPTS. Je me suis exprimé au, au, au nom, en tant que président des libéraux de santé, donc la principale intersyndicale des, des libéraux grâce à laquelle tu es président du NPS d'ailleurs, Sébastien. Euh, le, 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 genre on prend la main tendue par le ministre de la Santé, de façon très, de façon très claire. On l'a dit par communiqué de presse. Nous voulons une réforme du système conventionnel et nous voulons une réforme des règles de représentativité. Je suis actuellement en enquête de représentativité. La FSPF est en enquête de représentativité. On doit... Euh, démontrer, on doit faire des dossiers euh, énormes pour, pour, pour dire euh, combien nous avons d'adhérents, combien nous avons de... Enfin, de, de, c'est très, très lourd. Et on doit faire ça quasiment pour les deux, deux fois par an, deux, tous les deux ans, et pour dans des champs différents. Une fois dans le champ du code du travail, une fois dans le champ du code de la santé, on passe notre vie à faire des enquêtes de représentativité. Bon. Donc, euh, les, les, les pouvoirs publics veulent vraiment savoir si on est représentatif. Bon. Euh, donc, Très bien, évidemment, il faut que ça se fasse, mais il faut faire en sorte que cette représentativité ne génère pas euh, des conflits internes aux professionnels qui, en fait, nuisent aux professionnels eux-mêmes. Donc ça, c'est ça la réforme de la représentativité. Et par rapport au système conventionnel, les accords quinquennaux, c'est pas possible. Enfin, voilà le, le, le plan quinquennal euh, soviétique. Euh, c'est pas possible, en fait. C'est pas. On, on se projette. Qu'il y ait des, des lois de programmation ou des, des sujets de programmation, c'est évidemment intéressant. Mais les rendez-vous doivent être beaucoup plus rapides. Nous, on a signé un avenant là. En fait, qu'est-ce qu'on a mis dans l'avenant On a mis une nouvelle date qui est plus proche que la date d'échéance normale. Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que euh, si on signait pas l'avenant, la prochaine date c'était 2027. Si on signe l'avenant, la prochaine date obligatoire c'est 2026. Mais on se reverra d'ici 2026. Parce que je suis sûr qu'on aura d'autres avenants à signer d'ici 2026. Moi je milite et la FFSPS milite pour un rendez-vous annuel. Nous avons, euh, nous avons besoin de régularité. Nous avons des PLFSS annuels, des, des visibilités euh, de un cycle. Un rendez-vous annuel est important, même si un rendez-vous pluriannuel a du sens. Il ne faut pas remplacer l'un par l'autre, mais il faut probablement les deux. C'est quelque chose à construire. Mettons-nous autour d'une table. Réformons le système conventionnel, mais vite, hein, euh, à l'automne. Pareil dans ce PLFSS de 2025. Alors, Thomas Fatome, l'assurance maladie n'est pas décisionnaire sur ce point, mais en tant que partenaire conventionnel... Euh... Quelle est votre analyse quant à la viabilité actuelle du système Et pensez-vous qu'il y a également des, des dispositifs ou des points dans le dispositif à réformer euh, Je partage, la, je crois, l'intérêt de, 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 de se poser les bonnes questions. Euh, et le président Bessé vient d'en évoquer un certain nombre. Euh, Est-ce que le rythme euh, tous les cinq ans euh, voilà, euh, permet de, 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 de donner des perspectives et en même temps, il, il crée une forme de, de dramaturgie, de, de, de montée des, des tensions. Euh, dans un, on en parlait juste avant, dans un, dans un contexte où euh, voilà, les réseaux sociaux prennent plus de place, etc. Et, euh, et on, 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 on voit que certaines négociations peuvent être particulièrement compliquées. Euh, euh, donc oui, je pense qu'il faut se poser ces questions-là. Il euh, y a d'autres systèmes, où, en effet, qui sont plus sur des logiques de, de, de rendez-vous ou négociations annuelles. Euh, Qu'est-ce que ça voudrait dire euh, En se disant que voilà, il y, y, y a beaucoup de professions. Évidemment, les pharmaciens, il y, y en a d'autres aussi. Euh, Qu'est-ce que ça voudrait dire Donc, je, je, moi, je, je me félicite que les, que les professionnels de santé, euh, les pharmaciens, et puis euh, je salue également le président Guérin au sein de l'UNPS. Il y, y a une volonté de, 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 de s'interroger, de faire bouger le système. Euh, euh, je crois que, comme moi, ils sont attachés au à cette forme de dialogue social hein, qu'est le dialogue conventionnel. C'est important, je pense, de bien se le dire, parce qu'on peut penser à un nouveau système, il faut être sûr qu'il soit meilleur que le système actuel, qui a des défauts, et le, le ministre les a, les a pointés, vous l'avez rappelé. Euh, mais ce dialogue conventionnel, voilà, il permet quand même... Euh, J'allais dire d'associer, mais plus que d'associer, il permet une négociation entre euh, le financeur et les professionnels de santé sur des sujets qui évidemment les concernent au, au premier chef. Donc, euh, et ça, c'est quelque chose d'assez précieux, d'assez unique, hein, c'est un, quelque chose d'assez particulier. Euh, et je pense que c'est quelque chose d'assez important, euh, quand même, pour le système. Et, et donc, euh, voilà, on sera partie prenante. Euh, évidemment, des, des, des réflexions. Euh, on, on va approfondir les échanges avec les différents professions de santé, encore une fois, bien sûr, les pharmaciens, mais les autres. Euh, mais, mais voilà, je, 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 je partage avec vous que euh, ce truc assez original, pardon de, de le dire comme ça, euh, à la fin des fins, il permet de faire que les pharmaciens, euh, eh bien, quand, quand ils sont autour de la table, quand on discute des sujets qui concernent les pharmaciens, et au premier chef, leur rémunération, mais pas que. Et le lien entre eux des équilibres économiques et des éléments de transformation du système, c'est aussi quelque chose qui a de la valeur au, au premier sens du terme. Donc, donc voilà, après, nous, on, voilà, on pense qu'on est en 2024, qu'il faut moderniser le système, ces règles sont assez anciennes, elles ont évolué, mais pas tant que ça. Euh, et donc comment on les met au service, fondamentalement, c'est ça qu'il faut se poser comme question, je pense, hein, comment on met ces règles-là au service euh, des objectifs fondamentaux qui sont l'accès aux soins euh, et les conditions d'exercice des professionnels. Donc voilà comment on fait bouger les règles du jeu pour que euh, on ait un système qui, qui soit peut-être en effet plus souple, plus réactif, plus efficace. Il peut l'être sans doute euh, en, en, voilà, en préservant cet élément du dialogue social qui est, je crois, très important. D'accord, merci. Alors euh, avant de vous donner la parole à chacun d'entre vous pour euh, un mot de conclusion, on va prendre quelques questions. Et euh, alors, je, vous m'excuserez, je suis à une semaine d'un rendez-vous ophtalmo, donc je vais plutôt me déplacer et, et lire derrière moi. Euh, alors, comment voyez-vous la pharmacie d'officine dans dix ans moi, Philippe Besset, oui. Alors, moi, je, je vois toujours une pharmacie de proximité. Euh, je la vois toujours euh, comme étant, de façon historique, comme elle est depuis mille ans, euh, le lieu où euh, on délivre les médicaments en donnant les explications, en faisant attention euh, aux gens et ce en proximité. Je le vois comme le lieu de la prévention, comme le lieu où on a un lieu de, de soins. Et euh, je le vois comme un lieu où la technologie a beaucoup, beaucoup évolué, où on l'a pris en main, où on a fait son chemin sur les, les critères environnementaux, où on, où on met en place des choix, des choix stratégiques sur les traitements qui tiennent compte également. De, des effets de, 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 de ceci à la fois sur l'environnement et sur les personnes. Donc, euh, je voy, voyez une évolution du respect des fondamentaux, avec une évolution forte à la fois sur les aspects technologiques et sur les aspects environnementaux. C'est ça que je vois. Et prévention. Donc, les fondamentaux respectés et trois champs la prévention, l'environnement, la technologie. D'accord. Alors Thomas Fatou, même question, peut-être une question plutôt euh, comment voyez-vous la pharmacie, mais que, euh, comment, euh, comment l'assurance maladie espère euh, Honnêtement, je, je, je à, du très, réseau dans 10 ans Je crains la très redondant avec, euh, avec ce que vient de dire Philippe Besset. Euh, euh, voilà, c'est pas un hasard si tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est de se dire qu'on souhaite avoir un réseau officinal dans 10 ans qui, qui permette toujours de répondre aux besoins des patients et qui permette de donner aux pharmaciens les conditions d'exercer leur métier dans des bonnes conditions. Ça, c'est le basique. Et voilà, et après, tout ce, que, tout ce qui vient d'être dit sur le numérique en santé, sur la transition écologique, euh, euh, voilà, sur euh, la, le, le maintien d'un système, là aussi, on en a pas parlé, mais euh, d'un système dans lequel le pharmacien est propriétaire de sa pharmacie. Si euh, l'assurance maladie a pris des positions fortes sur la financiarisation du système de santé, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'on considère qu'il faut essayer de, de, de préserver au maximum un système dans lequel ce sont les professions de santé qui, qui, qui sont détenteurs de leurs outils, euh, parce qu'on pense que c'est pertinent au regard de leur mission. Il ne s'agit pas d'avoir une vision manichéenne. Il ne s'agit pas de, de dire on n'a pas, pas besoin de capitaux privés, ce serait absurde. Il ne s'agit pas de dire qu'on va nationaliser le système. La, la, le système français il est fort d'avoir des acteurs libéraux, d'avoir des acteurs indépendants et, et, et d'avoir un système, y compris hospitalier où il y a du public, du privé, et du privé non lucratif. Mais voilà, c'est comme ça que je vois aussi la pharmacie dans, 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 dans 10 ans. D'accord. Alors je une question sur le, les, évidemment sur les pénuries. Tout à fait dans le champ conventionnel, mais on va la poser. Quelle réponse est apportée sur la pénurie de médicaments L'industrialisation européenne ne fonctionne pas. La ventoline est produite à Évreux et est manquante en France et présente dans le reste de l'UE. Je vais commencer. Euh, sujet euh, très important. Et, et là aussi, on l'a vu dans le film. Euh, et. Euh, ce n'est pas une découverte, évidemment, euh, sujet de préoccupation pour l'assurance maladie, hein, pour, pour, pour moi, pour les équipes, parce qu'on mesure à quel point pour les patients comme pour les pharmaciens, c'est évidemment un sujet euh, très 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 compliqué et que tous les jours vous êtes confrontés à ça. Une fois que j'ai dit ça, qui je pense euh, recueille plutôt un avis favorable, ce que je vais dire va peut-être moins recueillir des applaudissements, mais tant pis, c'est pas grave. Euh, je ne crois pas. Que le sujet du prix du médicament soit le principal sujet en relation avec les pénuries. Voilà. Non, mais je. je, je, je voilà, non, mais je. J'avais prévenu, donc je, voilà. Si, si on dit que des choses dans lesquelles on est d'accord, ça ne va pas être drôle. Euh, voilà. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'autres pays dans lesquels les prix sont plus élevés que chez nous, dans lesquels ils ont aussi des pénuries. Et sur lequel euh, l'enjeu le, 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 en, il est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus multifactoriel, et c'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics euh, font, euh, un, ont construit un plan pour, pour répondre. Mais voilà, on pourra. On, je propose qu'on s'écoute et euh, voilà, de, Je vous donne ma position. Elle est, c'est la mienne. C'est ça de l'assurance maladie. Et, pour assurer la soutenabilité de l'assurance maladie, il faut qu'on continue à avoir une politique qui permette d'adapter le prix au cycle de vie du produit. Et que euh, voilà tout ce que fait l'État par ailleurs, et c'est de créer les conditions pour que les industriels puissent s'établir durablement en France ou en Europe. Le deuxième sujet, là aussi, je ne sais pas si je vais être populaire, mais ce n'est pas grave. Le premier, le premier levier pour lutter contre les pénuries, c'est le bon usage du médicament. Le jour où on a des niveaux de prescription et de consommation d'antibiotiques qui seront seuls de la moyenne européenne, on n'aura pas de problème de pénurie. Et donc, voilà, la réalité, c'est ça aussi. Je discutais avec un pharmacien en venant qui m'a raconté qu'il y a des pénuries d'Ozimpic. Il y a des pénuries d'Ozimpic eh, parce qu'il y a une partie de la réponse. On sait parce qu'il y a du mésusage d'Ozimpic. Donc là aussi, et, et, oh, regardons, regardons, ensemble, regardons ensemble les leviers et. Le bon usage du médicament est un levier absolument incontournable pour lutter contre les pénuries. Maintenant, encore une fois, tout ça relève de politique française, de politique européenne, de dialogue avec l'industrie, de dialogue avec les grossistes, de dialogue avec les pharmaciens. Il y a un plan sur la lutte contre les pénuries qui a été lancé par le, par le gouvernement, les ministres de la Santé, les ministres de l'Industrie, les ministres de l'Économie. On est partie prenante, même si on n'est pas le principal levier. Mais euh, voilà, deux convictions que je partage avec vous. D'accord. Philippe Besset. Non, moi je pense que le prix est une partie du problème quand même. <applause> je, peux pas je, peux, je, peux, je peux partager le fait qu'il faille ce qu'on fait qui fassent que les prescripteurs et nous, et les patients, fassent leurs meilleurs efforts pour euh, le bon usage. Ça fait, ça, fait partie du, ça fait partie de notre métier, euh, évidemment, et nous sommes pleinement engagés là-dessus. Mais euh, nous ne sommes pas, par rapport au prix, euh, un pays agile. Euh, et, et en fait, euh, on, on a deux pays dont les modèles, je vais être très caricatural dans ce que je vais dire, donc il y a forcément quand on est caricatural, il y a des inexactitudes, mais ça donne, ça donne une, une idée. On était un pays, on était le pays du médicament, on était un pays exportateur de médicaments, avec une, une, une balance exportatrice nette très très en notre faveur, on exportait des médicaments et, et on n'avait pas de pénurie, et, et c'était un pays qui était considéré comme très attractif, la France sur le sujet. Je vais en citer deux, de pays, euh, pas lointains, hein, et, et pas forcément plus important en termes de population que, que la France, euh, la Hollande. La Hollande, c'est un pays euh, d'acheteurs de médicaments. Ils ne fabriquent pas de médicaments, ils achètent des médicaments. D'ailleurs, euh, ils ne font pas confiance aux pharmaciens pour acheter, ils font des appels d'offres, ils, sont, ils, sont ils se, ils se débrouillent, et les pharmaciens sont intégralement payés à honoraires. Euh, c'est un modèle, c'est autre chose. Et en fait, la plupart du temps, euh, M. directeur, vous avez raison, euh, ils achètent les médicaments euh, moins chers que la France. Dans à peu près la plupart des cas, c'est moins cher. Mais quand c'est en tension, ou quand c'est en euh, rupture, hop, ils achètent plus cher pour les avoir, eux, les médicaments. Voilà. Et ça... Euh, et ça euh, et ça, non, ça, on ne sait pas faire ça. Non, ça, on sait pas faire ça. Nous, ça, pas faire ça. Et vous ne le savez pas, Monsieur le Président <laughs> Vous connaissez les prix réels auxquels les autres pays achètent les médicaments Ah, la Hollande euh, ah, Oui, le... très inférieur aux nôtres, oui. Bah, écoutez, moi, je, je, voilà, la réalité, ce qu'on voit, c'est les prix faciaux. Oui. Mais on ne, on ne connaît pas le niveau des remises, le niveau des clauses de sauvegarde, ce qui existe par ailleurs. Donc, oui. toutes les comparaisons qui sont faites pour expliquer que nos prix sont inférieurs aux autres pays sont totalement biaisés puisqu'on n'intègre absolument pas le niveau des remises réalisées en France et dans les autres pays. Pardon, tout ce qu'on peut lire sur le ça. fait que non non vous avez pas dit ça mais je pense qu'il faut qu'on se le dise oui. aussi tout ce qu'on peut lire pour dire que les prix français sont inférieurs aux prix des autres, autres pays c'est inexact. Non je n'ai pas dit ça j'ai dit qu'on n'était pas agile j'ai dit que la plupart du temps ils étaient inférieurs aux nôtres et je, je, je crois vraiment que le, le prix en intégrant les remises le prix des, euh, des, des médicaments alors, pas forcément, on va pas rentrer dans un débat d'experts. Euh, Ce n'est pas forcément exact parce qu'une partie du, du prix des médicaments en France intègre la rémunération des pharmaciens, comme on l'a vu avec l'Hermis. Mais néanmoins, malgré ça, euh, les, les prix des médicaments, de mon point de vue, sont inférieurs en Hollande, sauf en cas de pénurie, où ils peuvent faire plus facilement que nous des efforts ponctuels pour. Augmenter les prix. Mais vous savez que c'est ce qui est fait. Vous savez que dans le plan anti-pénurie, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles, quand l'industriel le, prend des, le, a, dans des engagements en termes d'approvisionnement, il y a une discussion sur le prix qui se fait aussi. Le, le, la, ce qui a été fait sur la moxicilline, par exemple, est, une, est, un, est, un, est un truc qui n'est absolument pas agile. Euh, Là, c'est vraiment. Euh, voilà. C est, c est... Il y a eu une volonté d'aller dans ce sens, c'est vrai. Il y a eu une, une volonté, je vous accorde, d'aller dans ce sens. Mais le dispositif, il est, euh, euh, il, est, il est, pas, voilà, il est vraiment pas agile. Et voilà, donc je ne veux pas aller loin, mais ça pourrait nous en entraîner, entraîner loin. Mais le débat sur le prix est un sujet. C'est dit. Euh, alors une question pour le, le, le directeur général de l'assurance maladie. La CNAM pourra-t-elle faire pression ou peser au niveau de l'État euh, ou du CEPS afin que le PLFSF pour 2025 n'impacte pas l'économie des pharmacies Je crois que ce qu'on a fait dans l'avenant. La, pour moi, c'est la meilleure réponse à cette question. C'est-à-dire qu'on voilà, on va augmenter des honoraires, c'est des rémunérations supplémentaires qui vont venir, y compris 24, Philippe Bessé l'a rappelé, y compris 25, et, et donc qui, euh, voilà, indépendamment de ce qui peut se faire sur le prix. Et voilà, donc le, le, quand même l'évolution structurelle, quand je, je regardais pour préparer cet entretien, quand on regarde quand même sur, sur 15 ans l'évolution des rémunérations des, des pharmaciens et, leur, et, la, et la répartition, ce que, ce que Philippe Bessé évoquait sur les différentes enveloppes, le fait qu'on consacre et on augmente une enveloppe qui va vivre indépendamment du prix, euh, c'est un élément important. Euh, après, voilà, je, 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 le, je le repartage aussi, hein, je pense que c'est important qu'on se le redise aussi, la situation financière de l'assurance maladie, elle est difficile, donc on vit dans ce contexte-là. Euh, on a assumé le quoi qu'il en coûte pendant la crise Covid et c'était normal. On ressort de la crise Covid avec un déficit historiquement extrêmement élevé, extrêmement élevé. Et, 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 et donc, voilà, euh, nous, on va euh, agir. Notre responsabilité à nous, encore une fois, elle est de travailler avec les professionnels de santé, dont les pharmaciens, euh, pour euh, voilà, euh, avancer sur l'accès aux soins, avancer sur les conditions d'exercice, avancer sur la santé publique, la prévention et le bon usage. Euh, on a signé un accord avec les médecins avec des, des, des objectifs ambitieux sur la qualité et la pertinence des soins. Donc, moi, moi, ma priorité à moi, c'est de faire que les ressources de l'assurance maladie soient euh, orientées vers le bon usage du système de santé. Voilà, mais je, je, je crois qu'il faut qu'on se dise collectivement que la situation de l'assurance maladie, elle est financièrement extrêmement précaire et que tous les professionnels de santé, euh, je pense qu'ils l'appréhendent, ils, ils doivent l'appréhender parce que c'est leur quotidien. C'est un, un cadre. Extrêmement important. Donc, euh, Mais on a, et on fera encore cette année, dans Charger les produits, des propositions qui sont avant tout orientées, non pas pour baisser les prix, non pas pour baisser les tarifs, mais, mais pour agir sur le bon usage du système de santé, les parcours de soins pertinents. Voilà, je le redis aussi. Euh, pourquoi on a proposé que les pharmaciens euh, délivrent des kits de dépistage du cancer colorectal parce qu'on pense qu'ils sont des acteurs de proximité extrêmement bien positionnés pour accompagner les assurés, pour qu'ils fassent plus de prévention, et que si on défine plus de, 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 de ces dépistages-là, on aura moins de cancers, et qu'on a fait des travaux médico-économiques qui montraient que l'assurance maladie, bien sûr, il gagne en termes de soutenabilité, au-delà même de l'enjeu de santé publique. Donc c'est tous ces leviers-là, et, 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 et tout le dialogue qu'on a avec les pharmaciens, il permet d'identifier des leviers pour aller plus loin sur le bon usage du système de santé. Merci. Euh, autre question À quand la publication des textes officiels autorisant les pharmaciens à délivrer des antibiotiques euh, sans ordre pour angine et cystite Alors j'ai vu passer, euh, j'ai vu passer le texte en, en, au Conseil de la CNAM au C'est imminent, c'est une question de jour, ça. Alors trop d'actes dans les officines, faits gratuitement, PDA, livraison à domicile, prise de tension. Philippe Besset, peut-être une, une réaction pas, sur cette question d'actes non sais, rémunérés mais je ne sais les... pas si, si en fait le, enfin, ce sont des, des actes qui sont pas euh, ce, dont on, ce dont on parle enfin, tous les actes qu'on qu a mis en place sont des actes qui sont, euh, qui sont rémunérés euh, la préparation des doses administrées euh, pour l'instant euh, sans, euh, sans le, le, les bonnes pratiques de préparation des doses administrées euh, n'est pas autorisée elle n'est pas interdite, mais elle n'est pas protocolisée. Ce que nous avons mis dans l'avenant, euh, c'est euh, que dès que le texte de bonne pratique sera, euh, sera publié, euh, nous nous reverrons pour, pour, pour mettre en place un modèle économique sur ce sujet et dans quel cas euh, nous, nous, le, nous, le, nous le mettrons en place. Euh, Catherine Vautrin euh, s'est engagée pour la première fois, hein, c'est la première fois qu'un qu ministre euh, de sa propre initiative dit non, moi je veux avancer sur le sujet. Euh, et euh, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas avoir de préparation des doses administrées dans certains cas. Donc euh, le sujet est sur la table euh, au ministère, ils le savent, ça fait partie des 14 textes en attente que nous, euh, que nous réclamons. Et euh, Frédéric Valtou euh, m'a dit autre chose par rapport aux actes euh, non rémunérés. Vous savez que l'expérimentation OSIS euh, est en cours. Euh, donc, Bien sûr, en génécystite, on n'en parle plus parce que ça va être dans le, dans le droit commun dans les, dans les jours à venir. Mais on peut parler des autres euh, actes d'OSIS qui intéressent le ministre. Donc, euh, il n'est pas interdit qu'on puisse qu'on voit dans le prochain PLFSS euh, la, la proposition d'avoir euh, la généralisation des autres actes de l'expérimentation OSIS. D'accord. Alors, une dernière question avant, avant de conclure. Monsieur Fatoum, pourriez vous nous confirmer que sans accord sur cet avenant, nous ne nous retrouvions pas avant 2027? Ah oui, je vous le confirme absolument, oui, oui je, je, mais je ne voudrais pas qu'on qu termine là dessus parce que ça donne une espèce de, de sentiment. On ne terminera de, pas là dessus, Voilà, de faire du chantage ou je ne sais pas quoi. Au bout d'un moment, on, on a une négociation qui a été longue, un sprint final. On propose un texte, euh, il n'est pas pris, on remballe et, et on se retrouve en 2027. C'est assez simple. Donc, euh, c'est assez simple. Pardon, mais au bout d'un moment, chacun prend ses responsabilités. Et en plus, avec la conviction qu'on avait plutôt, bien enfin, du côté de la science médicale, qu'on avait plutôt bien travaillé, qu'on était au bout de notre mandat de négociation. Et euh, voilà, à fortiori, dans le contexte financier que, 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 que j'ai évoqué, il est absolument certain que euh, si cet avenant n'était pas signé, euh, bah, voilà, rendez-vous euh, en, en 2027. Et euh, voilà, ça aurait été. Une occasion ratée euh, de ce point de vue-là, indiscutablement, et aucun doute du côté de la position de l'assurance maladie. C'est la raison pour laquelle, voilà, c'est toujours pareil, euh, c'est un compromis. Est-ce que c'est l'accord rêvé Sûrement, sûrement pas, par définition, c'est un compromis. Est-ce qu'il fait avancer euh, les choses pour, le, pour les pour les pharmaciens et pour l'assurance maladie Je le crois, mais, mais en tout cas, je parle pour l'assurance maladie. Est-ce que s'il n'est pas signé, il se passera d'autres choses La réponse est non. D'accord, merci. Alors, un mot de conclusion chacun. On va commencer par, par Thomas Fatome. Oui, <laughs> j'ai le sentiment de l'avoir un peu fait. Non, je, je voudrais redire, et, au -delà des, et encore une fois, c'est heureusement qu'il y a des désaccords ou des désaccords de perception, parce que sinon, ça, ça, ça montrerait que la discussion est un peu, est un peu fausse. Et ça n'est pas le cas. Je redire ma conviction profonde et celle de l'assurance maladie du de, 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 euh, souhait de, de continuer à travailler avec les pharmaciens d'officine. Euh, sur des enjeux voilà, absolument majeurs, on en a vu beaucoup. Euh, on a peu parlé de la transition écologique, ça n'est pas du greenwashing. Ça pas du greenwashing. Euh, la moitié euh, des, des, des émissions carbone du système de santé, c'est des médicaments. Euh, et donc c'est des vrais sujets très importants sur lesquels avec chaque profession, on a mis des choses aussi avec les médecins, on a, voilà, on a mis des choses avec les transporteurs, euh, et donc on veut le faire, c'est des sujets majeurs. Voilà, et ça je ne voulais pas l'oublier. Et voilà, c'est simplement à redire que euh, on va se, se retrousser les manches pour que voilà préparer le PLFSS avec des enjeux très importants de là où on est euh, et, et, et peser dans la bonne direction euh, et puis euh, approfondir tous les chantiers. Je crois que ça ne s'arrête pas là, les, les nouvelles missions, etc. On est à l'écoute des idées de la profession. Ça ne vient pas se substituer à un métier fondamental et je crois que là aussi c'était dit dans le film, vous l'avez dit, Monsieur le Président, on le comprend très bien. Il y a, il y a un métier fondamental de pharmacien et, et c'est un très beau métier. Et continuer à construire. Euh, euh, là-dessus. En tout cas, c'est la volonté de l'assurance maladie dans les prochains mois et les prochaines années. J'espère qu'on se reverra peut-être l'année prochaine pour le prochain congrès. Mais euh, voilà, soyez convaincus de la volonté de l'assurance maladie de continuer à être des partenaires des pharmaciens d'officine au niveau national, mais bien sûr aussi au niveau local et territorial. Merci. Philippe Besset oui, ben, cet avenant conventionnel ouvre de multiples portes. Il faut travailler euh, maintenant pour euh, l'appliquer, pour euh, le faire entrer en musique, pour en tirer tous les bénéfices euh, que, que nous pouvons le plus rapidement possible. On, on ne doit pas perdre de temps. Et euh, ce n'est que le début euh, de histoire, Enfin, c'est un, un, un élément dans un dans un, dans un parcours euh, la, le PLFSS et le rendez vous suivant et des rendez vous donc application de l'avenant PLFSS. Un programme de rentrée très dense pour pour les pharmaciens, pour la fédération. Je vous donne rendez-vous bien sûr dans les prochaines tables rondes. J'ai terminé pour. Je pense qu'on a abordé l'ensemble des points de cette de cet avenant. Nous avons beaucoup de choses à nous dire cet après-midi sur les autres sujets et le, la vie continue. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que vous allez que tous vont prendre la mesure de ce qui est écrit, la juste mesure, c'est-à-dire non pas la surestimer, ni non plus la dénigrer, comme je l'ai vu sur, depuis hier sur des réseaux sociaux, pardon, j'y reviens, mais qui sont, je trouve, blessants pour les 700 personnes qui ont pris... Euh, un temps important hier pour se poser la question de savoir s'il fallait ou non signer cet avenant. Écoutez, messieurs, je vous remercie et puis euh, je vous donne rendez-vous pour 14 heures avant de vous laisser vous restaurer. D'ailleurs, dans les différents points de, 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 de buffet qui sont offerts par les partenaires au sein de l'espace exposant. Et donc je vous donne rendez-vous pour le début des, des, nouveaux, des ateliers et des conférences à partir de 14h. Merci et bon appétit.